This is Wotan and welcome back to another episode of Ragnablock. Hope you're fine. And we will go to to do another project today. And this project it is a 3x3 door, but not a plenty door. And before we will check out a little problem that Fanzi find and it's in the Random generator And vu que la redstone c'est plutôt compliqué On va plutôt le faire en français <laughs> Donc bonjour à tous j'espère que vous allez bien euh, Défi de Danny faire quelques minutes d'épisode en anglais Why not <laughs> Why not on va dire que voilà j'ai fait une minute ou quelques secondes mais donc euh, c'est un peu compliqué vu que je veux rentrer directement dans le vif du sujet pour ce nouvel épisode de Ragnablock. Donc j'espère que vous allez bien. Et on va commencer par checker un petit souci euh, que Fancy a détecté lorsqu'il a regardé mon EP au niveau de la machine random. Euh, et elle est assez simple. Je vais poser un bloc ici histoire de grimper. Voilà, juste ici, euh, le coffre avant. Euh, les hoopers étaient situés sous le coffre, et ensuite les hoopers allaient directement attaquer chaque euh, chaque euh, comment dirais-je chaque dropper qu'il y a juste ici. Euh, le problème, c'est que vu que les hoopers étaient tous au même niveau, celui-ci n'allait jamais être alimenté. Et pour contourner le problème, il faut alimenter du coup avec des hoopers en passant par le haut, comme je l'ai fait juste ici. Donc on va essayer de rendre quand même la chose un minimum visible. Et du coup pour ce faire, juste une toute petite modification dans le système. Euh, la modification est juste ici. Donc j'ai bien mon coffre avec un hooper en dessous. Par contre ce hooper maintenant alimente un dropper qui est situé juste à côté. Et ensuite... J'ai euh, juste ici, là, sur cette petite partie-là, j'ai juste un petit ascenseur à item qui permet au dropper de balancer vos défis dans les hoopers qui sont ici afin d'aller alimenter la machine juste après. Donc effectivement, avec ce qui avait été fait à la base, j'aurais eu quelques petits soucis pour remplir le deuxième hooper et ça s'est vite raté, Ça s'est vite constaté vu que effectivement les, euh, les défis, en tout cas une partie des défis, étaient bloqués dans le système. Donc voilà. Petit correctif, peut-être que certains d'entre vous l'avez vu, donc je préfère vous montrer ça dès le début de l'EP, pouf, on met ça de côté, alors je sais pas trop en plus euh, au niveau de la communauté, au niveau de votre âge, etc, s'il y a des anglophones parmi vous, euh, mais effectivement c'est pas forcément simple euh, de faire un épisode en anglais, ou sinon il aurait fallu que je fasse un épisode complètement yolo et what the fuck, parce que faire de la redstone en anglais, déjà que la redstone, c'est pas forcément très simple pour certains d'entre vous. Mais en plus, quand c'est de l'anglais, ça devient vite tendu, tendu. Alors, on se retrouve au niveau de l'entrée. Je veux fermer cette maison. Euh, qui est restée beaucoup trop longtemps ouverte. Euh, c'est vrai que du coup, il y a juste les fondations. Il ah, n'y a pas de fenêtre. Je suis à l'air libre. Les mobs se baladent comme pas possible ici. Donc. Ce qui me manquait comme paramètre, je vous l'avais dit, c'était au niveau de la porte. Il me manque en fait la hauteur de la porte qu'il y a ici. Je ne veux pas mettre juste une porte, même si avec un nombre impair, je pourrais mettre une porte simple ici et ne pas m'embêter. Mais je voulais faire une porte en 3 par 3, comme je vous l'ai dit. En tout cas, de ce côté-là. Ici, il y aura un passage simple. Et de l'autre côté. Ici aussi, je veux un passage euh, simple. Je ne veux pas trop m'embêter. Donc je ne ferai pas un truc en redstone. Par contre, euh, cette porte-là, ça dépendait de comment j'allais la faire. Si je la faisais euh, en 3x3 full block, j'allais me retrouver avec quelque chose d'assez énorme pour dire ce qu'il ce qu y a. Et ensuite, il y avait une autre solution. Je vais vous montrer ça. Voilà. Tout de suite avec des blocs de slime block. Il y a une autre solution qui permet d'avoir un système ultra ultra compact ça aurait été de faire une porte comme ça mais qu'on soit bien d'accord ça le fait enfin c'est pas super joli malheureusement mais avec une porte comme ça j'aurais pu cacher 90% du système euh, en souterrain euh, et à n'avoir quasiment même voir rien du tout en, sur les côtés en termes de redstone Maintenant c'est vrai que c'est malheureusement pas top. à la limite pour s'amuser on pourra toujours faire une porte comme ça. Comme ça je vous montrerai un petit peu le système si ça vous intéresse à un autre endroit. Mais dans l'immédiat, euh, la grosse entre guillemets porte 3x3, je la ferai dans les souterrains. J'ai une idée très précise de ce que je vais faire. Un truc assez sympa je pense, en tout cas j'espère. Mais dans l'immédiat, voilà un peu l'idée de ce qu'on va faire au niveau de la porte. On va déjà placer hop juste quelques blocs comme ça pour vous montrer à quoi ça va ressembler et ça me permet d'avoir un compromis entre une porte qui n'est pas trop simple, une porte qui s'intègre un minimum dans le décor et en même temps avoir quand même un minimum de redstone à faire ensemble. Par contre, effectivement, comme vous l'avez vu, il y a un trou juste ici. Bon, maintenant, en toute honnêteté, quand je vais me balader dans la maison, il y a quelques mechas qui sont, euh, qui sont euh, de part et d'autre. Éventuellement, si j'ai besoin d'une machine à fleurs, je serai plutôt par là. Je serai quasi, quasiment jamais dans la ligne de mire ici. Et si j'ai pas de bol, effectivement, je peux me faire sniper par un squelette. Mais voilà, on va dire que ça reste correct. Donc voilà un peu l'idée. Bien évidemment, tout ça après, ça va être habillé. Mais en gros, on va faire un compromis. Et on va faire un système. 3 par 3 mais plus simple qu'un 3 par 3 en, en, en full bloc. Euh, la raison est super simple lorsque vous avez un mur en 3 par 3 voilà comme ici là j'ai du 3 par 3 ce bloc qui est juste ici pour pouvoir euh, le remplir il faut un double extender et le double extender c'est ce qui prend beaucoup de place euh, c'est ce qui rend le système beaucoup plus compliqué et beaucoup plus imposant donc déjà ça partirait beaucoup plus haut et même comme ça, vous allez voir que le système en soi est déjà assez gros quand même. C'est un système qui est déjà relativement assez gros. Euh, du coup, ici, on va enlever ça. Est-ce que j'ai une table de craft dans les parages Il faudrait que je pense, quand je vais faire ma déco, à intégrer des tables de craft un peu partout. Non, il n'y en a pas ici. Euh, parce que l'air de rien ça manque de table de craft tout ça on va déjà juste se faire les plaques de pression comme ça je vais vous montrer un petit peu à quel endroit ça va se situer et comment ça va euh, comment ça va être alors il m'en faut 6 ok nickel et comme ça ça vous permettra d'avoir un aperçu de comment le système va être euh, goupillé en gros ici je vais avoir euh, un piston avec des blocs et l'ouverture va se faire... Voilà, comme ceci. Tac. Et on aura du coup tout le, tout le bazar qui va s'ouvrir. Bon, les plaques de pression, euh, c'est pas super choquant, le fait de les avoir fait en hawk, ça passe encore. Mais effectivement, on a quand même quelque chose qui fait que euh, c'est délimité, on le voit tout de même. Ensuite, je suis en train de réfléchir, est-ce que je commence... Ouh, ça s'appelle du gruyère ça. J'allais dire, tiens, je vais peut-être le faire en off. Mais au final, avec une pelle comme ceci. Alors. Hop. Non. Ok. Bon, le bloc il reste derrière. C'est pas grave, tu peux rester derrière. Je m'en fous. <laughs> en gros, on récupère le signal. Donc, plaque de pression ici. On récupère le signal juste là. Hop. Et ça va être pareil. Oh là là. J'ai intérêt à la jouer fine parce que si je fais pas attention, j'ai avoir des trous un peu partout. Ça va être le bordel. Et donc, les plaques sont juste ici. Euh, non, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Ah, attendez, non, 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 non. Je suis un niveau trop bas. C'est bien ce que je me disais, pardon. Je suis pas au bon niveau. Voilà, donc logiquement... What? Qu'est-ce que j'ai foutu Ah ben oui, je suis bête, il faut que je remplace ça par des blocs pleins. Alors, on va remplacer ça par des blocs pleins. Je vais agrandir un tout petit peu le trou, euh, histoire que ce ne soit pas trop bordélique. Et on se retrouve de suite. Ok tout le monde, donc ça y est, j'ai agrandi le trou. Euh, j'ai déjà posé euh, les pistons, donc voilà un peu comment ça va être. Euh... Euh, confiné cet espace là j'ai donc un piston ici qui va s'occuper du bloc du bas trois pistons de chaque côté pour les blocs du côté et le piston du haut pour bah, le bloc du haut tout simplement donc au niveau de la déco hop on peut déjà poser ça euh, j'ai juste peur après de ne pas pouvoir remonter donc on va pas poser plus de blocs que ça et pour l'instant au niveau de la redstone hop j'attendais pour qu'on puisse faire ça ensemble donc bien évidemment plaque de pression sur du bloc plein parce que vous connaissez l'astuce de la dalle la dalle permet de ne pas euh, faire diffuser le courant en dessous alors qu'avec des, des blocs pleins on peut le faire donc forcément j'avais un petit souci à ce niveau là et donc par défaut ce piston là il faut qu'il soit étendu donc pour ce faire une torche de redstone assez simple et on va la mettre voilà, juste ici. Donc du coup, on est bien d'accord que par défaut, je veux que ma porte soit fermée et pas ouverte. Et ensuite, pour pouvoir inverser ce signal-là, euh, et pour pouvoir l'enclencher, ce qu'on va faire, c'est que je vais relier le signal comme ceci. Comme ça, lorsque je vais vouloir passer, je vais envoyer une impulsion. Pouf, qui fait que le piston va se rétracter. Donc pour le bloc du bas, euh, pas trop de difficulté, il me suffit juste de feinter de cette manière-là. Ensuite, pour les blocs avec les pistons. Ce que l'on va faire, on va récupérer déjà hop, des blocs comme ceci. On va placer un bloc juste là. Avec. Hop, ça on l'enlève. Avec une torche ici. Euh, non, je me suis trompé d'un niveau. Bien évidemment. Le bloc il est au niveau du piston, sinon ça ne sert à rien. Avec une torche ici. Voilà. L'avantage c'est que ça me permet ici d'avoir déjà par défaut un piston détendu. Ensuite, on va enlever ça, pas vraiment de feinte, l'avantage c'est que la torche ici va alimenter la poudre de redstone qui est juste là, ce qui me permet d'avoir deux blocs détendus. Il me suffit de faire la même chose juste ici. Hop, voilà, on vire ça une torche et une poudre de redstone. Donc voilà, donc là j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 blocs de gérer. Maintenant, il me reste à gérer les pistons du haut. c'est pas forcément compliqué à faire. Pour ça, on va récupérer des dalles. Il faut que je mette juste ici. Voilà. On va faire monter le signal juste là. Et ensuite... Juste ici. Donc là, j'ai mes trois pistons sur le côté qui sont gérés. On fait la même chose de l'autre côté. Et vous allez voir que l'air de rien, j'ai pas fait grand chose. Et déjà le système est en train de prendre une sacrée dimension. En termes de taille. Donc je vous laisse imaginer avec le double extender et tout ce qui va bien derrière. On se retrouve avec un système qui est vraiment énorme. Donc voilà un peu ce que ça donne déjà. Donc tout est étendu. Alors bien évidemment... Hop, on va déjà placer un bloc ici. Euh, non, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. J'ai pas relié le système en bas encore. Bon, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Euh, on va relier ça et ça juste là. La même chose ici. On va tester ça. Voilà, parfait. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc vous avez vu que ce que je fais, tout simplement, pas besoin de repeater, sauf si vous voulez rajouter du délai pour votre temps de passage, mais vous allez voir qu'on aura largement le temps de passer. J'ai juste rajouté du coup ici de la redstone pour attaquer le bloc qui est en dessous, pour que la torche de redstone s'éteigne et me permet du coup au piston de se rétracter. Maintenant, il faut que j'alimente la partie haute du système. Donc c'est parti. Et pour ça, alors je regarde. Je vais déjà mettre des blocs comme ça. Pour l'instant, on verra après. Redstone. Redstone, redstone. Voilà. Et du coup, j'ai tout qui est tendu. Parfait. Alors, par rapport à ça, euh, vous avez vu que du coup... Au niveau de la déco, il va peut-être falloir que je m'adapte un petit peu, mais ça, à la limite, je verrai. On va placer les autres blocs pour être sûr que tout va bien. Mais vous avez vu que là, pour l'instant, ça tourne plutôt bien. Et on va fermer ça pour voir si on peut passer sans encombre. En tout cas, sur les côtés ici, je ne sais pas trop comment je vais faire, si je vais laisser, euh, si je vais laisser des fenêtres ou pas. J'ai quelques, quelques petits trucs à voir du coup après en off au niveau de la déco. Mais en gros, j'arrive... Boum Tout simplement. Donc j'ai le temps de passer et ça se referme derrière moi sans encombre. Donc voilà un petit peu un système assez simple. Mais déjà relativement imposant. Vous avez vu qu'avec les piliers et la délimitation que j'avais faite, ça s'intègre plutôt bien. Maintenant, ici, il va falloir que je décale un peu. Je, je me demande si je ne vais pas décaler cette bûche ici, au niveau de la déco. Euh, du coup, je vais décaler peut-être ça ici. Je ne sais pas trop, parce que de toute manière, une chose est sûre cette partie-là, il faut qu'elle soit cachée. Là aussi, là aussi. Donc en gros, je vais avoir ici de dispo donc avoir un peu ce que je peux faire au niveau de la décoration mais en tout cas il va falloir que je fasse quelque chose donc voilà le petit système et on attaquera quelque chose de beaucoup plus complexe en souterrain et ce que je vous propose de faire je vais m'attaquer ouais c'est bien ce que je me disais euh, bloc plein oui pas, pas obligatoirement je peux mettre des dalles voilà voilà parfait. De toute manière, vu le temps que c'est rétracté, c'est pas trop grave pour ce bloc ici. On va pas se stresser avec. Tu veux poser la dalle ou tu veux pas Voilà. Je vais refermer le système. Euh, vérifier que ça ne peut pas spawner. Je ne pense pas. Mais dans le doute, peut-être ajouter une ou deux torches. Et je vais refermer cette partie-là, histoire qu'on puisse se rendre compte un petit peu. Hop, voilà, comme ça on est tranquille histoire qu'on puisse se rendre un petit peu compte de, euh, de l'entrée finalisée avec la décoration. Et on se retrouve après. Donc pour constater un petit peu ce qui a été fait. Et on ira faire un petit tour à la secret box d'Arion, histoire de la réinitialiser. Parce qu'on n'a toujours pas relancé d'énigmes. Et l'air de rien, les autres joueurs s'impatientent, ils veulent aussi essayer la machine. Donc on ira poser une petite énigme. Pour les copains. Voilà. Allez, on se retrouve du coup pour... Euh la dernière séquence de jeu ok donc la porte est terminée en tout cas la déco qui habille la porte est terminée donc on va faire un tour rapide vous avez vu qu'ici j'ai dû doubler l'épaisseur du mur avec la cobble je sais pas trop encore si je vais continuer à, à remettre de la cobble ici ou pas c'est un peu délicat à gérer mais je verrai ça en off tranquillement et pour l'instant, sur le devant, j'ai fait une pointe comme ça, histoire de conserver quand même quelque chose qui fasse assez viking. Aïe <laughs> Tu vas me laisser, oui <laughs> Histoire que ça fasse assez viking et assez nordique en, en termes de type de construction et de type d'architecture. Et j'en suis arrivé à ce résultat-là. Le seul truc sur lequel je me suis un peu posé la question, c'est sur les fences qui sont ici. J'ai mis des fences en wackwood. J'essaie avec du birch, c'est beaucoup trop clair. Et le spruce, du coup, ça fait pas ressortir le relief. Donc n'hésitez pas à me dire un peu euh, bah, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. L'avantage, c'est que ça va me donner à peu près le niveau du toit. Euh, derrière, il va que je cache un petit peu le reste. Je vais vous montrer un peu de l'autre côté. Oh yeah Nickel Alors vous avez vu, j'ai rajouté une redstone ici. Hop qui clignote lorsque la porte s'ouvre euh, et la raison est assez simple hein, c'est que sinon avec un interrupteur vous vous retrouvez du coup avec un but switch je no vais no arriver avec un switch non volontaire euh, dans le système donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste relié en fait le système de redstone ici qui étend le piston à la lampe de redstone qui est juste là ensuite donc cette partie là il va falloir que je la masque encore donc ça je verrai après avec le niveau Hop là, avec le niveau du plafond de la maison. Et concernant la devanture, l'air de rien, j'ai pas trop bouffé sur l'espace de vie au niveau de la maison, ce qui est plutôt sympa. Et j'ai enfin, <laughs> il était temps, j'ai enfin mis quelques petites tables de craft ici. Ça s'intègre plutôt bien dans la déco, ça passe plutôt bien. Une redstone lampe ici de chaque côté, histoire d'avoir de la luminosité ici pour que je puisse enfin enlever les torches qui sont là, parce qu'il va quand même que je m'attarde un petit peu. Euh, sur la luminosité et de manière assez sérieuse et du coup voilà le résultat final donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas j'ai quelque chose de fonctionnel pour l'instant assez sympa donc euh, on va pouvoir continuer le build de tout ça et pour la fin de cet épisode comme je vous l'avais dit on va réinitialiser la secret box alors par contre avant de partir, ce serait bien que je prenne un petit peu de matos. Voilà. Et donc pour réinitialiser le système, on va jouer avec... Euh, on va mettre une récompense. On va mettre une récompense. Euh, tac, voilà, on va mettre 9 blocs de diam. Euh, je réfléchissais si on faisait un dessin ou quoi. Bon on va mettre... On va mettre du diamant en récompense. What Sortez de chez moi, monsieur alors problème, c'est qu'avec une épée flemme, il va se barrer. Allez, viens par ici. Oui, Under Pearl. Bon, c'est pas comme si euh, l'usine Under Pearl n'était pas optimisée. Donc, du coup, c'est parti. Rendez-vous au spawn village, on va réinitialiser la secret box et d'ailleurs en parlant de spawn village il va falloir que je vois et que je m'y mette à aménager euh, bah, ma maison qui vous, avait, euh, qui vous avait bien plu en plus à l'époque, la maison en forme d'œil avec la coulée de lave et tout, mais c'est vrai qu'elle est toujours vide, j'ai un espace assez important à l'intérieur donc il faudrait que je vois un petit peu pour aménager, faire un petit peu de décoration etc... Mais on verra ça plus tard parce que le travail en off à faire pour ça est assez monstrueux. Euh... Hop Le spawn village, c'est par ici. Parfait. La petite minimap qui se charge. Je regarde un petit peu s'il y a eu des mouvements. Oh, il y a une belle piscine là quand même. Hein belle piscine. Je pense que... Je dis bonjour avant. Je pense que on va... qu'elle crawl. Non mais si la boxe est là-bas. Je pense qu'un de ces jours, enfin quand j'aménagerai notamment la... ma maison, on ira faire un petit tour des euh, différentes constructions qui ont été faites au spawn village. Parce qu'il y, y a de quoi aller voir en termes de build. Il y a eu vraiment, euh, euh, vraiment pas mal de choses de faites. Alors, je lui réponds. Hop Voilà nous voilà à la secret box. Alors, il va falloir dans un premier temps que je mette le nom de la personne. Ok. Donc on va faire ça ici. Donc Danny. Parfait. What <laughs> Ça, ça va pas le faire. Donc. Trouver la... Non. Trouver. Trouver la suite. Hey. Du balai. Du balai. Donc, trouver la suite. Du coup, j'arrive même pas, avec ces conneries, j'arrive même pas à me faire les choses tranquillement. Donner les trois lettres suivantes. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, donner les trois lettres suivantes. Alors. Voilà. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui y ont déjà trouvé. Hop De toute manière, la réponse, vous allez la voir. Alors, de toute manière, la réponse, il faut que je la mette ici. Hein. Donc... Euh Parfait, 8, 9, 10. Il me faut du paper, please. Alors, par contre, alors on va prendre du papier. On va aller du coup dans le système qui est ici. Je crois qu'il y a une enclume. Non, c'était pas par là. Ah ben bah non, ici c'est la récompense. Je me suis complètement paumé. Euh, on va... Voilà, on va enlever ça. Clac Et donc, oups Pas de secret à découvrir. Mais par contre... On va leur mettre que c'est ici que ça se passe. Uh -huh. Non, j'ai fait ça la cochon. Voilà. C'est un peu plus sympa comme ça. Ouf Des blocs de diamants pour la récompense. Parfait. Et je me suis foiré par contre par où... Ah bah oui, c'est par ici, l'intendance. Donc allons-y. Alors c'est parti 1. Retire le papier à l'intérieur. Il n'y a rien. 2. Remplace les 18 papiers avec les 18 réponses en minuscules. Donc c'est ici que ça se passe. Il m'en faut 18, donc le reste on remettra dans le système. Et donc le papier, on va le renommer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà la réponse à ah, l'énigme, n'est-ce pas euh, Remplace les 18 papiers avec tes réponses. Il faut que je mette ça où Et 3, vide le coffre. Non, je ne sais pas. <laughs> je ne sais pas où je dois le mettre. Alors, 1 retire les papiers, donc ils sont ici. 2 remplace. Donc c'est ici qu'il faut que je le mette. Hein. Ah bah oui, d'accord, c'est le filtre. Ah bah oui, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Ici c'est notre filtre à item. Donc pour le, pour le côté redstone. Donc ici, ici pardon, j'ai 18 papiers avec la réponse. Et lorsque la bonne réponse sera donnée, ce sera un 19e papier qui ne va pas se stacker et qui va partir ouit, en dessous. Du coup. Du coup. Rien. Je sais pas ce que. Ah bah oui, rien, c'était la réponse à l'énigme. Je suis un peu paumé, dis donc. Hein. Donc la réponse à l'énigme, on peut l'enlever. Pouf, poubelle. Le papier restant, on va pouvoir le ranger dans le système. Et la porte est toujours ouverte. La porte est censée se refermer. La porte est censée se refermer. Bon, écoutez. C'est pas trop grave. L'énigme est lancée. Vu que du coup ça vient de mon côté, malheureusement du coup vous avez déjà la réponse. Maintenant, je sais pas trop comment je réinitialise en fait le système dans le sens où... Le piston ici il est censé être étendu. Ah non je ne cramer un feu d'artifice dans le vide. <laughs> bon, c'est pas trop grave. Écoutez, j'en toucherai deux mots à Arion. Je pense que j'ai oublié de faire quelque chose. Après, hein, j'ai peut-être oublié de faire quelque chose. Peut-être qu'au niveau du système, il y a un, un petit bug quelque part. Je ne je sais pas trop. En tout cas, nous, on va se quitter là pour aujourd'hui, les amis. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Hop, on sort de là. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Block. Allez Salut tout le monde et ciao ciao oh.